Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise, mais juste avant, dis-moi, qui est ici? Allons-y. Qui est ici? C'est le temps de vous abonner. Qui est ici? Vous pouvez aussi devenir membre, Mystique Phoenix, l'oiseau de feu, en devenir en cliquant sur rejoindre. Merci beaucoup pour votre soutien, encouragement. J'apprécie. Allons-y tout de suite avec une première carte. On nous présente les deux personnes. On croirait la mère et la fille. Deux personnes ici. Qui sont ces deux personnes pour vous? Quel est le mot maintenant qui accompagne ces deux personnes? Succès. Réussite. Une belle relation. Succès. Allons-y. Elles ont réussi. Bon, ici, on nous parle de quoi? La carte de la sagesse est à l'envers, l'harmonie à l'envers. Succès ici. Parlez-moi de la carte de la sagesse. J'ai l'impression ici. C'est l'entre-deux, tiraillement, quoi choisir, une difficulté à prendre une décision, comment s'orienter, quelle direction emprunter. En ce moment, je ne suis pas certaine que la personne se respecte. C'est la carte du guide, mais en ce moment, le guide, joue dans quoi? Attendez une minute, là, j'ai besoin de comprendre. Il y a doute, il y a confusion. J'ai un choix à faire, je n'arrive pas à me décider. Comment m'orienter? La carte de la sagesse ici, lorsqu'elle est à l'envers, on m'encourage à la redresser. M'orienter dans le sens du respect de mes valeurs, de mes croyances, de mes priorités. Me respecter tout simplement, prendre le temps de m'écouter, de me respecter. En ce moment, je ne sais pas, j'ai de la difficulté à m'écouter, à m'entendre. Il y a confusion. J'ai besoin de comprendre. Allons-y. Je vais aller visiter la zone de succès des deux personnes. Oui, ici, on nous parle de succès sur le plan financier. Succès ici. On me présente deux personnes et l'image de la réussite, du succès. Accomplissement. Le plan financier ici qu'on me présente. J'ai confiance en moi, en mes capacités, j'ai confiance à l'univers. Je me sens soutenue, accompagnée. Vive la vie! C'est le succès ici. C'est une zone de réussite. Félicitations! Ici, c'est une zone de réussite. Maintenant, ici, on me dit quoi? Difficulté à m'orienter, là. Je vais visiter les deux cartes. On veut me dire quoi avec la sagesse à l'envers? Il y a doute, il y a confusion, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que j'ai été mal guidée? Je me sens confuse ici. C'est une femme ici qui joue un rôle important. Une femme qui joue un rôle important. La
sagesse à l'envers. Parlez-moi encore de cette femme. On ne veut pas être exposé ici. C'est comme si on restait dans l'ombre. On ne veut pas être dans l'œil du public. Attendez une minute. Une difficulté à se reconnaître. On me présente une femme qui a de la difficulté à se reconnaître. Effectivement, c'est une femme qui a de la difficulté à s'écouter, à se reconnaître, à se respecter. Elle est confuse. On dirait qu'elle s'est perdue. Elle a suivi la voie de quelqu'un d'autre. C'est possible. Les conseils de quelqu'un d'autre, c'est possible. Elle s'est perdue, on dirait, en chemin. Elle a emprunté la voie de l'autre. C'est comme si elle n'était pas en contact avec elle-même, avec ses valeurs, ses croyances. C'est comme si elle ne s'appartenait pas. Je ne la ressens pas ancrée. Tandis qu'ici, je ressens l'ancrage, la réussite, la confiance. Tandis qu'ici, non. Une difficulté aussi sur le plan financier. Le désir, on dirait. Elle ne fait pas ce qui la passionne. Tandis qu'ici, c'est le contraire. Donc là, on me présente une personne qui a de la difficulté à se respecter. Elle suit la voie de quelqu'un d'autre. C'est comme si elle n'était pas en contact avec ses valeurs. Vous savez que vous pouvez trouver sur Internet la liste des valeurs. Ça aide, ça. Des points de repère. La liste des valeurs, vous allez trouver en regardant ces valeurs, lesquelles qui résonnent en vous, qui vous font sens. Des fois, ça aide à nous réorienter, nous orienter. On le ressent à l'intérieur que ça nous interpelle. Vous avez juste à chercher la liste des valeurs, des points de repère. Qu'est-ce qui est important pour toi? Donc là, ici, on nous présente une personne qui a peut-être été mal guidée, mal orientée, qui aurait besoin d'être orientée. Elle est confuse, elle doute, elle ne sait plus quoi faire dans sa situation, peut-être même dans sa relation. À vous de voir si on me parle d'une relation de couple, d'affaires. On me parle de quoi, là? Ici, on a une décision à prendre. Elle est toute mêlée. C'est une personne qui a de la difficulté sur le plan financier. Elle ne fait pas ce qui la passionne, ce qu'elle désire réellement. Elle aurait besoin d'aide. Elle est infidèle à elle-même. Elle est infidèle à elle-même. Elle ne se permet pas quelque chose. Elle ne s'autorise pas quelque chose de faire ce qui lui ferait plaisir, ce qu'elle aimerait tout simplement, ce qu'elle a le goût de faire. Elle ne se l'autorise pas. Je ne sais pas si c'est relié à des croyances. Ça se peut aussi. Le facteur religieux se présente ici. C'est possible. C'est possible. Mais cette personne est en train de s'effondrer, de s'éteindre. Elle aurait besoin d'aide. On peut peut-être même être avec un partenaire ici. La carte du chien qui est à l'envers. Et la carte des dangers. À vous de voir, là, ici, là. Je ne sais pas si on peut faire confiance à la personne représentée par le chien à l'envers. On a une décision à prendre concernant une relation ici. On dirait l'entre-deux. Avec le chien à l'envers, ici danger, ça sent ici le bouleversement, l'effondrement. C'est la carte qui nous présente un changement important.
Allons visiter la carte de l'harmonie ici. À l'envers. Donc, quel doute cette personne? Le dragon, la colère, hostilité, rancune, ressentiment. Donc, il s'est produit quelque chose ici. Parlez-moi de ce qui s'est produit ici. Ça ne va pas bien au sein d'une relation. Le dragon. Violence, violence verbale, agressivité, colère, hostilité, on en veut à l'autre. Là, ça ne va pas bien. Continuez. Bon, exactement. Une personne ici dans la relation se sent blessée. Se sent blessée. Elle est très en colère. Elle est encore en colère, cette personne. Donc, on n'a pas le goût de parler avec l'autre. Et c'est peut-être mieux comme ça, là, en ce moment. C'est peut-être mieux de prendre un recul. Parce que le dragon qui crache son feu. Bien là, il y a une raison ici. Je vais explorer encore un peu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Bon, de l'argent, donner, prendre. Pourquoi est-ce qu'on me présente l'argent? Une histoire de quoi? De dépenses, de dons? On nous parle de quoi, là? Une somme d'argent? Aidez-moi à comprendre. Bon, on fait rouler. Bon, on nous dit quoi ici? Ça m'a fait penser à la chanson « Pour faire rouler l'économie ». Quand j'ai vu la roue, la chanson des colocs. Pour faire rouler l'économie. Hostie! Bon, je ne sais pas ici. Résistance au changement, la peur du changement, la peur de la séparation. On a une décision à prendre. Ça ne va pas bien au sein de la relation, de cette relation. On est en beau joie le vert, enragé. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On est bien au cœur d'une relation. Résistance au changement. Je rencontre des ennuis. Quels sont ces ennuis? Vous voulez me dire quoi ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Là, on nous a présenté l'argent. La carte de l'harmonie à l'envers. Qu'est-ce qui a bien pu se passer avec elle, là? Attendez une minute. Ah, ça explique tout, là. Le voleur. L'argent, prendre l'argent, le voleur. Donc, il y a eu énergie de trahison. On a trahi l'autre. Donc, il y a une personne ici dans la relation qui est fâchée contre l'autre. Adversité. Ne me parle pas, je n'ai pas le goût de te parler.
C'est comme si on avait débloqué des fonds ou pris, il y a quelque chose ici. Vol. C'est en lien avec l'argent. Je vais déposer une carte sur celle-ci. Oh, en dessous du paquet. Bien oui, la carte de la malhonnêteté, de la tromperie ici, de la ruse. Donc, c'est une histoire d'argent. Il y a quelque chose ici qu'on n'avait pas accès. Il y avait une limite. Et on a pris pareil. On a enlevé l'obstacle. On a pris. On a pris. Ici, on nous présente la carte du travail. Continuons. Allons-y avec une autre carte. Je vais y aller avec une carte. Oui, attendez un peu. Continuons. Mais c'est une histoire ici d'argent. On le sait, ça revient. Quoi d'autre? La carte bleue. La carte bleue. Ici, on me dit qu'on n'a plus le goût là, de protéger l'autre. Je ne sais pas ici, on a vu tantôt la carte du travail. Non, ici, on me présente une personne qui n'a plus le goût de protéger l'autre dans sa malhonnêteté, dans sa ruse, dans ses mensonges. C'est une histoire d'argent. On me présente une personne qui peut... la carte de l'hostilité, ici, ce n'est pas beau, là. Agressivité verbale, c'est pas beau là, violence verbale. On ne veut plus soutenir la personne. Donc le conjoint, le partenaire, le chien, la personne qui est représentée par une des deux là, il y en a une des deux qui est loyale et qui ne veut plus jouer dans le jeu de l'autre, dans la tromperie de l'autre. On ne veut plus protéger son mensonge, protéger ses ruses, protéger cette personne. Je vais déposer une autre carte. Échec, rupture, c'est terminé. C'est terminé ici. C'est la carte de l'effondrement. Un changement inévitable. C'est la carte qui exprime la fin, la séparation. La fin, à vous de voir ici, ce lien, ce partenariat. Est-ce qu'on me parle d'une relation de couple? Est-ce qu'on me parle d'une relation d'affaires? Relation avec membres d'une même famille? Il y a un lien ici. Et on ne veut plus protéger cette personne rusée. Ici, on nous parle de malhonnêteté, de tromperie. Adversité, rancune. Ici, on peut me présenter une personne qui est très rancunière aussi. Mais en ce moment, on me parle de l'adversité, le conflit ici qui éclate. Et le bouleversement à l'envers, c'est l'échec. C'est l'effondrement de la fondation. C'est la destruction de la construction. C'est l'arrêt, un changement soudain inévitable. C'est une carte qui exprime la rupture du lien, la rupture ici, quelque chose qui tombe à l'eau. Un plan qui tombe à l'eau. C'est terminé, énergie de destruction. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Allons-y avec cette carte, le présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Suite à l'effondrement. Allons-y, je vous lis le message de la carte du présent. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Bien ici, oui, il y a un changement soudain, un changement inévitable. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.